Donc on quitte cet endroit illusoire pour aller au niveau 12. Les niveaux 12 qui va être, eh bien, l'épisode 12 du coup. Voilà. Je vous jure, ça me stresse. À chaque fois qu'il lève le bouton, ça me stresse. J'ai l'impression qu'on va se faire bouffer par un chat ou par un truc avec tout ce qui nous est arrivé dans le passé, là, dans le let's play. Ça m'angoisse. 12, allez. Et on s'approche de la fin de l'ascenseur, hein. Allez. 13, 14, 15, il restera derrière. C'est quoi? C'est la pièce spectre, c'est ça? Ouais, la pièce spectre. Ah, mais regardez, on voit les étages qui passent dans le... Ah ouais. Et bonjour à ceux qui débarquent. J'ai vu une ancre de bateau. Je vois un petit bateau qui tourne en face, genre Pirates des Caraïbes. Est-ce que je vais encore dire stylé? Oui, je dis encore stylé, oui, je confirme. Alors, on est dans un truc pirate, quoi, quasiment. On est dans un truc pirate. Oh, ah oui, d'accord. Attends, il y avait un bateau qui tournait, là. Regarde, là, regarde. Ouais, regardez. Je l'avais vu dans la vitre. Le pire, c'est que le bateau, je l'ai vu dans la vitre de l'ascenseur quand l'ascenseur était ouvert. C'est ouf. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne quoi? Ah, c'est juste pour nous dire qu'il y aura des trucs cachés dans l'environnement, peut-être? Ah tiens, regarde le truc là-haut. On peut le faire tourner. Attends, on va faire tourner la roue. Enfin, la roue, c'est d'ailleurs c'est la barre de commande du bateau. C'est le gouvernail. Ce n'est pas une roue, c'est un gouvernail. Et nous serons en live pour la BlizzCon. Oui, absolument. À ceux qui se posent la question. On peut pas passer derrière ? C'est à 19h, on a le temps de faire encore un ou deux épisodes, tranquillou. Comment je fais pour passer? Ah tiens, il y a une trappe derrière. Je l'ai vu, la trappe. Attends, c'est un bouton, vas-y, appuie. Moi je vois des boutons, j'appuie. Ah non, c'est un cadenas. Ah oui, attends, il doit y avoir quelque chose derrière là. Attends. Tu peux ouvrir ça ou pas? Ça, ça bouge. Ah. Ok, il y a une porte à l'intérieur. Très bien. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Hello. Tu vas être en train de ta progression, mais ça tombe bien. Il faudrait que tu reviennes au labo. Ah, quelque chose de grâce est produit. Je te raconterai plus tard. Dépêche-toi. Ok. Ah, ben voilà, on va peut-être avoir un nouvel équipement alors. Labo. Montre-nous ce que tu as. Allez, rentre dans la télé, Luigi. Peut-être que tu as. Voyons voir. Oui, d'accord, ils sont là, les taux. Salut Diva. Salut à toi. Merci de ton follow. Luigi, je t'attendais. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui, Dodo. Bah oui, il est où le Toad? Attends, quoi? Oh non! T'as envoyé Toad chercher un truc dans l'hôtel, mais on a mis 15 ans à le... Donc il est dans la chaufferie, donc le pire niveau de ce jeu. Génial. Mais non, c'est le pire niveau du jeu!
Oui, Dodo. Luigi. Philippine. Ouya. Rapporte pas mon bidule. Hein. Oui, Dodo. Ok, alors c'est une invention pour améliorer ça. Salut Toupaïs. Merci de ton follow. Non mais attends, mais c'est abusé. Il pouvait pas me demander à moi, genre... Il a mon numéro de téléphone, du Virtual Boo, et il envoie un Toad inoffensif non armé se balader dans un hôtel surhanté dans le pire niveau du jeu. Il s'est pas dit, genre, à un moment qu'il y a quelque chose qui allait pas. Non. Non, évidemment que non. Crap. Professeur de merde. Et ben on va y aller, on va y aller. C'est au B2, c'est dans la chaufferie. Le pire niveau du jeu. Oh là là, c'est ouf hein. Alors attends, il est où? Ok. Allez, vas-y. J'ai pas eu. Ok. Bon, pas les billets, parfait. Ça, c'est bon. Ah ouais, la chaufferie 2, le retour, quoi. C'était vraiment le seul endroit où je voulais pas retourner. Et bien sûr, le jeu nous y fait retourner, tu sais, genre... Ah, t'aimes pas ce niveau? Ah, très bien! Purée. Pourquoi? Ah, bien sûr, évidemment. C'est vraiment, il y avait pas plusieurs niveaux que j'aimais pas. Il y a juste celui-là. C'est fou. C'est fou de se dire que le jeu m'aime pas à ce point-là. T'es où, mec? Ah, il est là. Ah, ils sont encore deux. Je le répète, mon test complet sur le jeu sortira ce week-end. Je vais donner mon avis sur le jeu sans l'avoir terminé. Là, ce n'est pas possible. Je peux te dire qu'il est très bon de ce que je vois, mais je peux pas te donner mon avis complet. C'est pas possible. Quand je l'ai pas terminé, je peux pas te donner mon avis complet. Là, évidemment, il est juste là dans la pièce. Juste dans la pièce qui est à droite. Ah, mais vas-y, en plus, je suis sûr qu'il y a. Le relou! Il est là-haut en plus. Comment je fais pour y aller? Comment je vais là-haut après?
Arrivons. Ok, c'est Toad qui est là-dessous. Ok. Ah oui, d'accord, faut que je le balance par-dessus. Attends. Ok. Attends, on va d'ailleurs en profiter pour aller. Ah, je pourrais pas avoir la clé si jamais. Ok, allez, récupère ça. Putain, on avait récupéré aucune ici. What? Ok, c'est bon, Todd, tu viens? Putain, faut aller chercher le truc maintenant. Ah, donc il est là-haut. Attends, on va aller chercher. On va aller le chercher tout de suite. Ah! Et comment je fais pour... Ah, moi j'utilise Toad. Je vais peut-être utiliser Toad. Tiens, viens. J'ai besoin de toi. Viens là. Genre, je te pose là. C'est une blague! C'est une blague, mec! C'est une blague! Bon, attends. Mais c'est une blague, ce Toad! C'est une blague! Attends, est-ce que lui peut aller le chercher? Si jamais je lui demande? Ok. Donc en fait non, il suffisait juste de ça. Je pensais qu'il fallait le laisser appuyer, mais en fait pas du tout. Oui bon, c'était dans l'autre sens, mais peu importe. Est-ce que je peux... Salut toi, Fic. Comment je fais pour le récupérer là-haut? Ah, je peux peut-être envoyer Toad. Attends. Si je t'envoie là-haut, tu le récupères, mec? Pas sur moi. Oui! Parfait. C'est pas de la maltraitance de Toad, voilà. Reviens au labo. Ouais, j'arrive. Attends, par contre, j'aurais besoin de Luigi encore. Vas-y, vas-y, bouge-le. Ah, c'est encore dans l'autre sens. Ok, c'est bon. Ah! C'est une blague. Consulte la carte pour trouver une autre issue. Ah, je sais, c'est là où on était bloqué tout à l'heure. La dernière fois. Vas-y, bouge, bouger ça. Okay. Allez, viens, on y va. C'est là où on était bloqué. Non, l'autre issue. Attends, l'autre issue, elle était où? On va checker la map. Carte. C'était au niveau 1, c'est ça. Il faut que je descende.
Par où j'y accède déjà? Je crois que c'est par le niveau 2. C'est par ici. Ouais, c'est par ici. Bah du coup, on est sur l'épisode 11-2, même pas sur l'épisode 12. Parce que je pensais pouvoir aller truc, mais... Ou alors 12-1. Non, je pense que ça sera le 12-1, celui-là. Ce sera plutôt le 12-1 plutôt que autre chose. Attends. Normalement, l'échelle, je l'avais fait descendre ici. Ah, bah attends, je peux balancer Toad. Ah, c'est l'avantage de l'avoir avec nous. Pratique, ça. Attends, tourne-toi. Par là, ici. Balance Toad. La maltraitance, c'est incroyable. La maltraitance n'a pas de limite. Non, mais... La maltraitance n'a pas de limite. Balance ton Toad, c'est ça. Non mais ça n'a plus de limite. Eh les gars, l'arrêt mort sans sur orge, il a dit qu'il avait plus le droit de faire des lancers de Toad. Hein. C'est mort. Blague, petite blague pour les juristes, pour ceux qui connaissent, voilà. Rapport à la dignité humaine, tout ça, tout ça. Ah, Toad. Ah, punaise. Tiens, viens. Je te balance par-dessus, là. Ici. Là. Oh, c'est d'une violence! Attends, tu détruis les murs avec Toad? Non mais c'est un... C'est horrible. Salut Amaury! Merci pour ton follow. C'est d'une violence rare. Oh là là. On en est où sur la map? On est toujours au niveau 2. Il faut qu'on... Ah oui d'accord, le niveau 1, faut qu'on bouge... Et salut à Foreign Storm qui vient de follow aussi. Bienvenue! Ok, on va voir ça. C'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Ah bah tiens, j'avais dit qu'on allait revenir ici pour faire ça, regarde. Tiens, regarde. Hop, parfait. Bah, nous qui devions revenir, on est plutôt bien. Bon bah écoute, je sais pas. Tiens. Aïe. Parce que point de vue historique, pour ceux qui ne le savent pas, à Morsang-sur-Orge, qui est une petite bourgade de France, s'organisait il y a des dizaines d'années, des lancers de nains. Oui, je ne déconne même pas, hein. il y avait des personnes de petite taille qui étaient affublées d'un vêtement spécial à scratch. Et justement, eh bien, le but de ces soirées, c'était de lancer les nains sur une cible, voilà, et du coup, bah, ça amusait tout le monde. Et puis, bah, du coup, bien sûr, c'est passé au tribunal, parce que, bah, parce que voilà, hein, parce que dignité humaine. Et donc, du coup, depuis l'arrêt Morsang-sur-Orge, alors je crois que c'est 1975, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est 1975, et bah, c'est interdit, le lancer de nains est interdit, voilà, pour le petit historique. Voilà, que vous le sachiez. Pour le petit historique de la chose. Okay, c'était ici. Ah bah d'accord, c'est pour ça qu'on pouvait casser le mur. Mais c'est fou de se dire ça quand même. C'est ouf de se dire qu'il y a une période, genre, il n'y a pas tant d'années que ça quand même. Les gens lançaient des nains. Voilà, sur des cibles. Genre en mode normal. Genre c'était une activité. T'as fait quoi ce week-end? Bah j'ai lancé des nains. Bah non, c'est une personne, elle a le droit au respect et la dignité humaine quand même. Donc non, bah non, non non. Allez viens là. Besoin de toi. Boum! J'aurais jamais pensé que cet endroit-là
ça serait en lançant un taux dedans. Jamais de la vie. Attends, ça se tourne ça? Non, ça se tourne plus, on l'a déjà fait. Non mais c'est ouf. Hein. Non mais cette violence. Ah oui, je peux le lancer. Ah, je peux le lancer là-haut. Fais voir. Non mais c'est un délire. Et il est content. Et il est content. Non mais c'est un délire. Tu peux le taper contre les murs. Et merci, je sais qu'il manque quelque chose à la porte, je suis pas idiot, je l'avais vu. C'est juste que je balance tout contre les murs, laisse-moi kiffer. Mais je sais bien, catastrophe, enfin. Je sais, catastrophe. Tu peux venir, Toad? Toad, j'ai besoin de toi. T'es où? Ah, t'es là. Attends, je peux te lancer en haut, là, encore. Attends, viens. Je suis sûr, il vit sa meilleure vie, Toad. Regarde. Tu peux pas récupérer ce qu'il y a là-haut? Non? Bon, tant pis, c'est un paquet d'or, on s'en fiche. Non mais attends, j'ai l'impression d'être dans un jeu mobile. Tu sais, genre les jeux mobiles où tu balances des trucs contre les murs et il faut que ça rebondisse et tout. Parce que c'est totalement ça. Attends. Oui, TG. Vas-y, donne-moi ça. Allez, donne-moi ça. Non, pas un grito de. Il y avait des. Il y a un jeu sur Switch qui était sorti comme ça d'ailleurs. Où tu sais, tu gères la. Attends. Tu gères l'angle de tu balances tes trucs et puis c'est chouette. Ben voilà. C'est bon, c'est ouvert. Ça le fait kiffer en plus. Hein. À l'écouter, c'est un kiff. Hein. Tiens, viens là. Viens là, Toad. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. On a un mur à détruire. Là. Boum. Non mais. Tiens, j'ai encore besoin de toi. Ici, là, dans le petit truc. Là, ici, boum. Voilà, merci. Ah, il y en a un deuxième à casser. Attends, il y en a un deuxième. J'y vais. Vas-y. Ah, d'accord. Oui, c'est pas grave, c'est un coffre à la limite. On s'en bat les steaks. Ah, quoique. Non, j'aurais bien avancé quand même parce que j'aurais bien aimé avancer là. On va avancer. De toute façon, on a récupéré qu'une clé à molette à cet endroit là. Donc il y aura tellement de choses cachées que c'est vraiment un niveau où on va revenir ça. Alors. Ah oui, on est derrière! Énorme! Ah mais fort! Attends, comment je passe? Là, ici. Oh, énorme. Ok. Vas-y, fais tourner ça.
comment est-ce que je peux le réveiller? Ah, avec Luigi cette fois-ci, dans l'autre sens. Ah, c'est ça. Ok, vas-y, Luigi. Ouais, c'est ça. Ok, il a bougé. Ça y est. Il est où? Et moi, Titi. Titi. Paf. Merci, monsieur. Attends, j'ai besoin de vous, voilà. Attends, encore un peu. Ah. Ah, punaise. C'est bon. Boum. Boum. Et bam. Ça, c'est fait. Et ouais, qu'est-ce que tu crois? Voilà, comme ça, il nous embêtera plus pendant 15 ans. Ça, c'est fait. Ça. Ah tiens, Toad, j'ai besoin de toi. On a besoin d'exploser un truc. Voilà. C'est... Ah oui, d'accord. Donc le fantôme qui habitait là a clairement une vie bizarre. Hein. Parce qu'on a quand même un balai avec un seau sur la tête avec un truc dessiné dessus. Hein. Toad, besoin de toi. Raté. Reviens. Attends. Ok, c'est bon, j'ai eu. Yes. Ok, c'est bon. Il y a un truc là derrière le mur. Ici. Tiens, Toad, viens. J'ai besoin de toi encore. Là. Hop. Oh yeah! Attends, du coup, je me demande si je peux pas t'envoyer dans le tunnel qui est là. Genre ici. Ça fait quoi? Oh! Joli! Ok. Et un deuxième. Là, viens là. Et on sera sur un gros épisode. C'est quoi, c'est le 12-1 ça? Pour aller récupérer ce qu'il faut. Bah ouais. Qu'est-ce qui se passe avec l'ascenseur? Qu'est-ce qui se passe avec l'ascenseur? L'ascenseur qui est cassé maintenant en plus. Bam. Au revoir. Y'en a un autre? Y'en a un autre. Ok. C'est bon. Désolé, Toad. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc là, il faut qu'on aille retrouver au B1, au sous-sol, le professeur Catastrophe pour lui ramener son petit bidule. Et après, pour enchaîner sur l'épisode 12-2, le vrai épisode 12, puisque ça serait bien en fait. On a 25 000 pièces d'or. On va être tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est lui. Punaise. Non mais les gars, vous abusez aussi là. Attends, Toad, viens là. J'ai besoin de toi. Ok. Ok, c'est bon. Wouh. Je m'y attendais pas à cela. Je m'y attendais pas du tout. Ok, on est bon. Allez, viens, on y va. On y est. Oh là là. Tu peux pas savoir comme ça fait plaisir de te revoir. Donne-moi le bidule. Tiens, prends le bidule. Oh. C'est stylé, quand même. Je sais pas ce que c'est, mais ça brille, donc c'est cool. Mmh.
Pardon? Tout ça pour ça? Qu'est-ce que tu vas me remettre? Qu'est-ce que tu vas améliorer? Ah, ok, qu'est-ce qu'il fait de plus? Il est plus puissant? La force d'avion est maintenant si forte que j'ai décidé de l'appeler l'hyperaspiration, d'accord. Tu dois débrancher dans une prise spéciale. Ah d'accord. Ok. Ok, très bien, on l'avait trouvé la prise... Bon, boutique virtuelle. C'est bien parce qu'avec tout ça, on pourra acheter l'endroit où... Tiens, regarde, on peut en acheter quelques-uns. Pour savoir où sont les gemmes. Pour le 100%, l'argent vous sert pour le 100%. Avoir quelques objets de soins, bien sûr. Mais surtout pour le 100%, j'ai l'impression, l'argent. Donc c'est pas plus mal. Hein. Et après, t'as les détecte-boue. On va en acheter. Ça, t'en as un par level. Ok. C'est bien que l'argent serve pour le 100%. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de le faire. Vous êtes pas obligé, mais si vous avez envie, bah vous faites kiffer, voilà. Ok. Allez. Ce qu'on fait, c'est que on retourne explorer l'hôtel, on retourne directement au niveau 12. Et une fois qu'on est au niveau 12 devant le bateau, on pourra quitter cet épisode 12-1 pour pouvoir lancer l'épisode 12-2. Ça sera pas mal. Allez. Vas-y, mon petit Luigi. Paf! Prise spectrale. C'est comme ça qu'il s'appelle. Je pensais que c'était pièce spectrale, mais c'est prise spectrale. Bam 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 bam. Le temps que ça monte, je regarde mon petit téléphone, voilà. Alors, le petit bateau, c'est déjà fait. Eh bien écoutez, on va terminer l'épisode 12-1 juste ici et on enchaînera eh bien avec l'épisode 12-2. Hey, hey, famino.